Bonjour YouTube, on se retrouve pour le troisième épisode sur le mode science de KSP2 et cette fois-ci, on va y aller sur la Lune. On va faire un point rapide sur ce qu'on a débloqué au premier palier. Quasiment tout est débloqué. Il manque juste l'aviation légère, mais qui ne m'intéresse pas beaucoup pour le moment. Et au deuxième palier, on a commencé à débloquer les pièces moyennes qui vont nous permettre de faire le lanceur et d'aller atterrir sur la Lune et récupérer toute la science qui va nous manquer pour débloquer la suite. En off, j'ai fait deux petites missions qui consistaient à envoyer un satellite, comme vous pouvez le voir là, et il y avait une autre mission derrière qui consistait à faire une autre orbite avec également un satellite, donc j'ai juste désorbité, enfin changé l'orbite du premier satellite pour aussi avoir la mission. Au niveau du contrôle mission, donc il faut atterrir sur Moon et il faut planter un drapeau sur une mer, donc c'est parti. Au niveau fusée, voilà ce que j'ai préparé avec, comme je disais, donc les parties moyennes, des très gros boosters sur le côté, et avec ça, on devrait facilement atteindre Moon. Je pense au moins arriver en orbite de Moon avec cette partie, peut-être même commencer la descente avec cette partie-là. Et la partie d'en haut ne servira normalement que pour le retour. Allez, c'est parti. Ok, la mise en orbite s'est plutôt bien passée, pas de soucis majeurs à ce niveau-là. Alors, on va commencer à prévoir la manœuvre pour atteindre Moon. Ok, on y est, on va arriver à droite de Moon, un périgée à 238 000, donc on va pouvoir corriger facilement. On va faire le warp jusqu'à la manœuvre. Ok, nous voilà, manœuvre est faite, donc bon, j'ai rapproché un petit peu, on est à 91 000 mètres. On va être très très bien en approche de la Lune. On va faire l'avance rapide jusqu'à rentrer dans sa zone d'influence. Voilà, et on va se prévoir la manœuvre pour se mettre en orbite. Ok, me voilà en orbite. À 71 mètres secondes ici, donc pas grand chose. Et d'après ce que j'ai compris, c'est à peu près ici que je vais devoir atterrir dans une mer, donc peut-être là. On va regarder. Expérience, non. Alors, il me semble que si je regarde ça, voilà, lieu orbite haute. Ok. Bon, on va viser ça. Donc, on va venir corriger un peu notre inclinaison. Là, on est un peu trop incliné. Donc, si je viens corriger ici, je pense. Voilà, là on est très bien. On va faire cette manœuvre. Ok, on est plutôt bien. On va vraiment passer au-dessus de la mer qui est là.
Et est-ce que je pourrais pas d'ores et déjà prévoir? Ouais. Ok. On va faire ça. On va se mettre bien au milieu. 180 mètres à corriger. On va être en rétrograde. Bah, peu de choses près. On va faire une petite sauvegarde et on va prévoir notre premier officiel amunissage. Allez, on est sur l'approche finale, je pense qu'aux alentours de 1000, ouais, à peu près 1000 mètres, je vais lâcher cet étage-là pour avoir la partie atterrissage avec les pieds. On va commencer à réduire un peu plus fort à 20 mètres secondes.
épée, on va séparer. Allez, on y est presque, on s'approche, on va réduire à 5 mètres secondes, 4, ok, on coupe, ok. On a atterri, on va pouvoir faire toutes les expériences qui sont là. Et on va pouvoir faire descendre. Ah, je peux pas régler ça par contre, j'aurais aimé régler la rigidité. Parce que là je suis pas très droit, bon, c'est pas très très grave. Allez. Ah. Oula, j'ai failli faire tomber ma fusée. Oh là, allez. Et voilà, on a enfin mis le pied sur la Lune. On va ramasser des échantillons. Et voilà, impeccable. 130 échantillons. Échantillon de surface 108. Et ben voilà, et on va pouvoir planter le petit drapeau. Alors, planter un drapeau. Moon landing. Et ça devrait également valider la mission. Et voilà, impeccable. Et ben. Une bonne chose de faite et normalement on a de quoi rentrer. Ok, alors on va aller au contrôle mission. On va valider ça et on va voir s'il n'y a pas d'autres choses à faire. Ok, et un pas sur le petit pas sur la lune. 300 de science, impeccable. Alors, orbiter Kerbin avec une sonde et un panneau solaire. Entrer dans la sphère d'influence de Kerbol, donc pareil avec une sonde. Et trouver l'origine du signal sur la Lune. Alors, là, ça nécessiterait de se déplacer sur la Lune, à moins que ce ne soit vraiment juste à côté de moi, mais j'y crois pas trop. On va reprendre notre vol. Bill. Ok, il est là. Et ouais, on est très très loin du signal. Le signal est là. On est à l'opposé. Donc non, on n'aura pas le temps. On n'aura pas l'énergie pour rentrer à la maison. Ce qu'on va essayer de faire tout de suite en croisant les doigts pour avoir un peu plus de réussite que lors du premier vol. Alors, on va y arriver tout doucement.
Ok, on y est. Alors, il me reste 1284. Normalement, ça doit être bon, hein. On va croiser les doigts quand même. Alors, dans quel sens je repars? J'aimerais partir vers là, vers l'est. On va refaire un petit point de sauvegarde. Et c'est parti. Ok, on est en orbite. Et maintenant, la manœuvre pour rentrer. C'est là que tout va se jouer. Je crois que de mémoire, le plus simple, c'est de se mettre par là. Périgée la plus proche. Ok, 206, ça devrait être bon. Allez, on va tenter ce retour. On sort de l'attraction de Mune et on va rejoindre ici à peu près du coup l'attraction de Kerbin. On va attendre de faire un tour complet et on va revenir ici pour modifier voilà, notre périgée et on va faire rentrer la périgée dans l'influence, dans l'atmosphère plutôt pour avoir un freinage atmosphérique. Et à partir de là, on sera sauvé, quitte à faire quelques tours et retours et détours autour de Kerbin le temps que ça freine, mais... On va se mettre à 50 km. Si je peux. Ok,
53. Qui le mettre? On est bon, on sera déjà dans l'atmosphère. Donc on est déjà sauvé. On va essayer de faire quand même un freinage pour réduire l'apogée ici. On va freiner. On va faire les pieds. Ok. Plus d'énergie. Et du coup, on va se séparer. Voilà. On a une apogée à 2000 km, mais qui va se réduire petit à petit, étant donné qu'on est dans l'atmosphère. Hein, ça ne va faire que freiner. Faudra peut-être faire un tour ou deux. Mais c'est pas trop grave, au moins on va pouvoir rentrer. Donc bah écoutez, on se retrouve à l'atterrissage. Ok, nous voilà arrivés. Alors je vous cache pas que ça a été compliqué. Parce que j'ai fait au moins une dizaine de tours, je crois. Je crois que j'ai dû faire à peu près, effectivement, une dizaine de tours avant de freiner assez. Il me disait que j'avais des expériences, mais apparemment non. Bon, écoutez, je pense qu'on a récupéré déjà ce qu'il fallait. On va récupérer le vaisseau, confirmer. Et... ok. Et on va aller voir. On va valider les missions. Donc ça, c'était fait déjà. Donc... recherche et développement, on a 750 points, voilà, super. Une belle mission, conduite d'ergol, donc ça c'est pour faire les montages en asperge. Lanceur moyen, ça peut être très intéressant ça. 750, donc je pourrais prendre ces deux-là. Ah, là j'ai de la recherche, non, c'est pas de la recherche, ici la recherche, ok. Avionique. Électronique avancée, oh, des panneaux solaires et des antennes. Je peux peut-être me passer des... ah, ce serait une bonne idée, les conduites d'ergol en fait. Ça me ferait gagner du Delta V. On va prendre ça. Précision, pour le moment, non. Alors, soit je prends les autres lanceurs. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ça, je pense. Ouais, je vais prendre ça. Et on va se refaire une petite fusée. Donc on a vu que c'était un peu juste pour quitter Mun. Ça passe, mais c'est juste. Après, ma périgie à 50 000 était un peu haute. Donc j'ai mis du temps à freiner. Je pense que 40, c'est bien. À partir de entre 35 et 36, on commence à avoir les frottements. Donc on va dire un peu au-dessus de 36. Je pense que c'est vraiment optimum, histoire de bien freiner, d'avoir, voilà, de faire un peu moins de tours autour de Kerbin pour le freinage atmosphérique. Ah bien écoutez, je vais modifier un peu la fusée, peut-être en utilisant les conduites d'ergol, et on va essayer de refaire une mission rapidement. Je vais vous passer le décollage, on va passer un peu tout ça. Je pense que vous en avez vu assez, et on va essayer d'aller au point de rendez-vous sur la Mune. Ok, finalement, en attendant et pour finir cet épisode, on va faire les petites missions qui consistent à envoyer des satellites, un satellite en tout cas, en orbite autour de Kerbin et le faire sortir de l'attraction de Kerbin pour le mettre autour du Soleil. Donc, j'ai fait une petite
fusée comme ça, avec un petit montage en asperge et un petit satellite qui se trouve là dessous. Donc on va tester ça tranquillement. Donc le principe du montage en asperge, c'est que ces réservoirs-là se vident par là, mais ils re-remplissent également les réservoirs qui sont là. Donc ceux-là sont tout le temps pleins en fait. Ils sont vidés par le moteur qui est dessous, mais ils sont re-remplis par ceux-là. Et quand ceux-là sont vides, ben, on va les lâcher. Et l'avantage, c'est qu'on va gagner du poids et qu'on aura des réservoirs pleins. Donc du coup on va lâcher que ces deux là en premier. Voilà. Et là le réservoir est plein. On ne peut pas voir mais on le voit ici. Ok, la première mission est réussie, à savoir mettre en orbite un satellite que je vais libérer. Voilà, donc qui ressemble à ça, quelques panneaux solaires, une sonde. Une grosse batterie, un peu de RCS quand même, et un tout petit moteur qui est caché là-dessous, et une antenne bien sûr. Donc du coup on va faire la deuxième partie, entrer dans la sphère d'influence de Kerbal. Donc pour ça faut juste pousser très très fort, et on peut peut-être même se servir de la lune comme lance-pierre. On va attraper l'attraction de la lune qui va nous faire accélérer, ça va nous éjecter normalement. Voilà. Alors là je rentre carrément dans la lune, donc c'est pas une bonne idée. Voilà, et donc voilà, on va passer à côté de Moon qui va nous attraper, nous faire accélérer et nous éjecter sur l'orbite du Soleil directement. Et voilà, la manœuvre est corrigée, et du coup, on va faire une avance rapide jusque là. Donc on s'éloigne de Kerbin, on rentre dans la sphère d'influence de Moon, que je ne trouve pas. Un peu loin. Voilà. Une qui est là. Et ça va nous faire gagner de la vitesse et nous éjecter loin de Kerbin. Et voilà, la mission est réussie. Ben du coup, on va aller récupérer nos points et on va s'arrêter là pour cet épisode qui aurait été bien rempli, je pense. Voilà, 100 points ici et juste 50 points ici. Et prochaine mission, écoutez, allez trouver l'origine du signal mystérieux sur
la Mune. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao YouTube, bisous.